Hello les scrapaddicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une création dans le cadre de l'ADT Zibuline. Je vais aujourd'hui utiliser moult couleurs, moult cachets de cire. Vous allez voir, ça va être canon, enfin j'espère en tout cas. Donc vous avez compris, on va partir sur la création d'une page. J'ai pas de feuilles 30-30, donc du coup je vais partir sur une base de papier à dessin de chez Action. J'ai un peu honte, hein, j'avoue, parce que c'est vraiment le papier le plus bas de gamme de chez Action. Mais comme quoi, on va essayer d'en faire quelque chose. On verra bien si ça fonctionne. Donc, c'est une feuille en 24-32. Et je vais m'en servir en base et également en découpe. Donc, vous allez avoir besoin d'une deuxième feuille, du coup, du même papier que je vais venir recouper. Juste avant de commencer, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc c'est une feuille qui, enfin une page pardon, qui m'est inspirée de Steffi Reed. Je ne sais pas trop comment on le prononce exactement. J'essaierai de vous le mettre en barre de description pour que vous puissiez la chercher si jamais ça vous intéresse. J'ai vu des créations d'elle sur Pinterest et sur Instagram. Donc vous pouvez la suivre sur ces réseaux-là. Je pense qu'elle doit en avoir d'autres. De mémoire, c'est une scrappeuse qui est allemande, je crois, de mémoire. Je ne suis pas sûre. Allemande ou américaine, je sais plus. Allez voir si ça vous intéresse. Son univers, il est tellement beau. J'adore, je trouve que c'est vraiment magnifique, de magnifiques couleurs. Donc comme il fait tout gris dehors et qu'on a envie d'un peu de couleurs, eh bien c'est parti pour la création que vous allez voir tout de suite. Pour commencer, vous allez avoir besoin de votre massicot et on va venir recouper nos papiers. Donc moi je vais prendre 15 cm. Ah bah il va pas jusqu'au bout, ah oui. Donc c'est du 24-32. Hop, voilà. Et ensuite, je vais, je pense, faire des découpes d'un petit peu toutes les tailles. Alors, je ne vais pas couper ça. Je sais pas trop. Je vais en faire de 4 cm. Et puis peut-être de 5. Alors, 1, 2. Donc en sachant qu'il m'en faut 8, 1, 2, 3, non, 8, 9, 10, ah, il m'en faut 10, alors 4, enfin voilà, vous avez compris, je vais essayer d'en faire 10 avec l'ensemble du papier que j'ai à ma disposition. Voilà, donc moi j'ai coupé tout plein de bandes, je dois en avoir un peu plus que 10. Alors j'en ai deux qui sont un tout petit peu plus petites parce que c'est des bandes que j'avais déjà... Enfin, du papier que j'avais déjà coupé avant. Hop. Donc le but, ça va être de faire un petit assemblage comme ceci. Peut-être mettre la grande là. La petite là. Hop. Une, deux. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. 9, 10, 11. Bon, j'en ai 11. C'est pas très grave du coup. Moi, je vais juste en sélectionner 8 pour venir y mettre un peu de peinture. Et vous allez voir, on va également s'en servir pour faire une découpe. Je sors donc ma peinture de chez Craftelier. Alors, comme j'ai pu le dire sur une vidéo précédente, c'est pas de la top qualité cette peinture parce qu'elle rend beaucoup d'eau. Hein. Vous voyez, quand j'appuie sur le tube, elle rend énormément d'eau. Bon, je vais quand même réussir à faire mon petit arc-en-ciel. Donc j'ai mis en fait tout simplement des coups de pinceau, si on peut dire, sur les extrémités, une des extrémités du coup de ma petite languette. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai fait un très bel arc-en-ciel. J'ai mis toutes mes cires qui correspondent du coup à mes couleurs. Et je vais venir maintenant faire mes cachets.
Vous pouvez voir qu'il y a des petites mains qui viennent m'aider à un moment donné. Voilà, donc je reprends ma feuille. J'ai fait plein de petites découpes différentes, alors des mots, des feuillages. Il y a du simple graphique, ça c'est du Little Phone, simple graphique aussi, craftelier, il y a du contour, du scrap, enfin voilà, il y a un petit peu de tout. Au niveau des feuillages, je ne sais pas si je vais tout utiliser. Hein. Hop, hop. Le but, ça va être de mettre en scène mes petites... Mes petits marque-pages, si on peut appeler ça, des multiples marque-pages.
Et voilà, ma création est finie. Alors, elle est relativement lourde, parce qu'avec tous les cachets de cire qu'il y a dessus. Mais c'est fini. Donc, j'ai rajouté, que vous n'avez pas vu pendant le montage, ces petites boules de polystyrène. Voilà, que j'ai trouvé chez Cultura, donc vous pouvez en trouver je pense dans tous les magasins de bricolage, enfin, de loisirs créatifs. Donc j'en ai mis un petit peu partout en plus des dots hein, que j'ai faites avec le reste de la cire qui se trouvait du coup dans ma cuillère, que vous avez pu me voir faire je pense. Le montage normalement nous le dira. Et puis j'ai rajouté tout en bas également le mot « sweet ». Et le petit arc-en-ciel, voilà. Et donc j'ai rajouté également des petites boules de polystyrène. Pour les boules de polystyrène, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une boule, je l'ai trempée dans la colle et ensuite je suis venue la coller sur ma feuille. Je ne sais pas si dans le temps ça tiendra, mais en tout cas je trouve que le résultat est plutôt rigolo. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, ça vous montre du coup un petit peu toutes les décorations qu'on peut trouver chez Zibuline, ça va de la breloque à la chaîne à billes, du petit crayon argenté ou doré que vous retrouvez aussi, les petites décorations en résine, les petits nœuds, les petits pompons fil, les petites planches de mots et de fanions, vous avez aussi les étiquettes, enfin voilà, il y a plein de choses chez Zibuline et je trouvais que bah, c'est plutôt ressemblant cette petite page puisque ce qu'on aime chez Zibuline c'est retrouver toutes ces magnifiques couleurs à chaque fois, quasiment, je pense, à chaque fois on retrouve les articles dans les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc bah, encore un grand merci à Laetitia et puis un grand merci à vous de me suivre toujours aussi nombreux et nombreuses. J'espère vraiment du coup que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et un petit commentaire si c'est le cas. Je vous fais de gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.